Alors, la toxoplasmose. Donc, je vous rappelle également le référentiel hein, pour la parasitologie mycologie avec les documents de Hanoufel. Alors, la toxoplasmose, c'est de nombreux items de l'ECN. Donc, il passe par l'éthique médicale, l'altération de la vision, les méningites, méningo-encéphalite, l'infection à VIH, les fièvres chez un patient immunodéprimé, le syndrome mononucléosique, malaise, perte de connaissance, crise commissiale chez l'adulte. Voilà. Alors, je vous propose de voir donc le cours en deux parties. Une première partie avec la parasitologie même, la clinique, l'épidémiologie, et puis une deuxième partie sur le diagnostic et le traitement. Alors, la toxoplasmose, c'est une parasitose donc, qui est fréquente dans la population selon les régions du monde, parce que les prévalences sont différentes. Elle est bénigne le plus souvent, et là c'est pareil, selon les régions du monde. C'est une parasitose qui est définitive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est infecté, on va garder le parasite toute sa vie. Et elle va être source donc de complications dans deux circonstances. La grossesse, avec la toxoplasmose congénitale, et puis l'immunodépression. Alors, le parasite, il s'agit donc de Toxoplasma gondii. Donc, il existe une seule espèce dans ce genre, Toxoplasma. C'est un protozoaire, donc parasite unicellulaire, avec un noyau et puis un cytoplasme qui fait à peu près 5 microns de long et 2 microns de large. Donc, il est capable de multiplication intracellulaire. Et qui est présent sous plusieurs stades. Lors d'un cycle sexué chez l'hôte définitif. Et puis, donc, il va avoir une multiplication asexuée et une forme de latence chez l'hôte intermédiaire. Alors, le cycle, donc l'hôte définitif, c'est les félidés. Alors, en Occident, ça va être principalement le chat, chez qui il y aura donc la multiplication sexuée. Avec donc dans le tube digestif au niveau de l'épithélium intestinal des formes donc mâles et femelles. Ces formes mâles et femelles vont donner donc un stade parasitaire qu'on appelle oocyste, qui va être éliminé donc dans les excréments du chat au niveau de ses fesses dans le milieu extérieur. Au bout de 3-4 jours, dans le milieu extérieur, ces oocystes deviennent infectants pour l'hôte intermédiaire. Donc, il existe plusieurs hôtes intermédiaires. Il s'agit de mammifères, dont l'homme et les oiseaux. Donc, l'hôte intermédiaire, il va y avoir la multiplication asexuée avec un développement donc dans les tissus de forme kystique. Et lorsque l'hôte intermédiaire va être ingéré, donc là c'est le cas des rongeurs qui sont ingérés par des félidés, le cycle va être bouclé. Mais le chat ou les félidés peuvent également se contaminer
en ingérant donc de la viande d'ovin ou de la viande de bovin. Donc le mode de contamination de l'homme, ça va être l'ingestion d'oocystes, comme on vient de voir, qu'on va retrouver donc dans les aliments ou dans l'eau souillée. L'homme peut également se contaminer en ingérant des kystes qui sont donc dans la viande provenant des hôtes intermédiaires. Donc ça va être la viande de bœuf, la viande de mouton, mais ça peut être également les volailles. Donc cette viande, elle est contaminante lorsqu'elle est insuffisamment cuite. Alors, la contamination peut se faire également par voie transplacentaire au cours de la grossesse ou par transfusion ou greffe d'organes. Alors, au niveau physiopathologie, quand on ingère soit les oocystes, soit les kystes, ils vont libérer donc des formes tachyzoïdes qui vont aller se multiplier dans le système réticulo-histiocytaire. Donc là, c'est la multiplication asexuée. Ces tachyzoïdes vont disséminer par voie sanguine pendant 10 à 15 jours. Et c'est à cette période-là que le passage transplacentaire est possible, donc contamination verticale de la mère à l'enfant. Ensuite, il y a la réponse immunitaire de l'hôte qui va se mettre en route. Donc la réponse immunitaire anti-toxoplasme, elle est de type TH1, donc c'est une immunité cellulaire de type T qui va être mise en jeu. Il va y avoir une lyse de ces formes tachyzoïdes et donc production d'IgM puis d'IgG. Donc ces anticorps vont donner, sont le signe de l'immunité protectrice. Alors, pour ce qui concerne la toxoplasmose, il est important de connaître un petit peu l'évolution donc, des anticorps IgM après la contamination. Donc ils apparaissent dans le sérum 10 à 15 jours après la contamination. Ils vont augmenter jusqu'à un mois après la contamination et puis ils vont persister quelques mois, jusqu'à 2 ans, hein, selon les techniques utilisées dans le sérum. Alors les IgM ne traversent pas le placenta. Également l'évolution des IgG, donc ils vont apparaître, eux, dans le sérum 15 jours à 3 semaines après la contamination. Ils vont augmenter pour atteindre un maximum jusqu'à 2 mois après la contamination. Puis ils vont diminuer pour être à des taux modérés. Et ils vont persister toute la vie. Alors les IgG, eux, traversent le placenta. Parce que c'est des immunoglobulines qui sont de petite taille. Les IgM sont pentavalents et les IgG nous sont monovalents. Alors, au niveau de la physiopathologie, pour finir, chez l'homme, donc, quand il y a la réponse immunitaire, les tachyzoïdes vont s'enkyster. Ils vont donner donc, des formes qui sont dites bradyzoïdes qu'on retrouve dans les kystes. Donc il y a des millions de bradyzoïdes dans un kyste et c'est des formes dormantes qui vont rester donc dans les tissus mous, les muscles, le cerveau, l'œil, jusqu'à ce qu'il y ait une baisse de l'immunité et là on va avoir une réactivation. Alors au niveau clinique, on a donc deux formes cliniques, c'est la toxoplasmose acquise. Donc, il y a la toxoplasmose acquise du sujet sain, celle de l'immunodéprimé
et puis celle du patient greffé. Et l'autre forme, c'est la toxoplasmose congénitale. Alors, la toxoplasmose acquise du sujet sain. Alors, en Occident, elle est dans la grande majorité des cas asymptomatique. C'est 80% des cas. Quand elle est symptomatique, on va avoir un syndrome pseudo-grippal avec fièvre asthénie. Des adénopathies cervicales peuvent survenir. À la numération formule sanguine, on peut avoir un syndrome mononucléosique et puis, ou une neutropénie. Et quand on n'a pas de chance, ben on va faire une forme oculaire avec une chorioretinite. Alors, dans certaines régions du monde, les souches de toxoplasmes sont beaucoup plus pathogènes ou virulentes chez l'homme que celles qu'on retrouve en Occident. Donc, ce qui fait qu'on décrit des toxoplasmoses sévères. En Guyane, par exemple, il y a des militaires français qui vont en Guyane ou des gens qui vont travailler en Guyane. Et il y a eu des cas donc, de toxoplasmose mortelle chez ces personnes-là, du fait donc, de souches qui sont dites atypiques. Donc, c'est des souches qu'on retrouve dans un environnement sylvestre ou tropical. Et comme l'homme n'est pas en contact habituel avec ces souches, donc elles sont beaucoup plus pathogènes. C'est des souches qui sont dues à la présence donc, de félidés sauvages et non pas dues à la présence du chat. Alors, la toxoplasmose acquise du patient en stade sida. Donc, elle va survenir quand le taux de CD4 est inférieur à 200 par millimètre cube. Donc, plus le taux de CD4 est faible, plus il va y avoir un risque de toxoplasmose. Donc là, on est en présence de réactivation, c'est-à-dire un désenkystement des parasites, une remultiplication qui est souvent locale, mais qui peut être également générale. Ce qui fait que chez ces patients donc SIDA, on va surtout avoir donc, des abcès cérébraux qui vont être diagnostiqués donc, par l'imagerie. Le scanner envoie donc des hypodensités. On peut avoir des chorioretinites, des pneumopathies, donc souvent interstitielles, et puis, donc moins fréquemment, des atteintes multiviscérales. Chez les patients donc greffés ou qui ont une immunodépression thérapeutique, alors ça va être des greffes cardiaques, greffes de moelle. Donc, l'immunodépression thérapeutique, ça va être des corticoïdes à forte dose, où maintenant on a des anti-TNF, des anti-CD4, qui donnent des immunodépressions assez profondes. Donc là, le risque, il est double. C'est la réactivation, donc due à la présence de ces kystes dans les tissus, ou à une primo-infection quand on va transplanter un cœur d'un patient qui est séropositif pour la toxoplasmose. Le cœur, c'est un muscle, donc il peut contenir des kystes. Alors, dans ces cas-là, on va avoir une pneumopathie interstitielle, une atteinte multiviscérale, et puis plus rarement, des formes locales avec des abcès cérébraux ou des chorioretinites. Alors donc la deuxième forme de toxoplasmose, c'est la toxoplasmose congénitale. Alors on va le voir tout à l'heure donc dans la prévention, si on vérifie, mais vu le manque d'organes hein, pour les transplantations cardiaques, on doit savoir quel est le risque hein, pour le patient. Donc, le fait d'avoir un donneur séropositif pour la toxoplasmose ne va pas interdire la transplantation cardiaque. Par contre, on va prendre en charge le receveur. On va lui donner une chimioprophylaxie antitoxoplasmique, mais on verra ça tout à l'heure. Mais
ça n'interdit pas la greffe. Donc pour la toxoplasmose congénitale, alors les complications graves, on les voit surtout quand il y a une infection au premier trimestre. Là, on peut avoir une mort in utero, un avortement. Une hydrocéphalie qui va être visible donc à l'échographie transfrontalinaire ou scanner, ou même aux échographies pendant la grossesse. Une macrocéphalie. On peut avoir des complications également lors d'infection de la mère au deuxième trimestre ou au troisième trimestre. Là, on a des toxoplasmoses généralisées. Donc l'enfant, quand il naît, il a de la fièvre, un ictère, peut avoir un purpura, une hépatosplénomégalie, des convulsions, une épilepsie. On va avoir des calcifications cérébrales, hein, l'imagerie, donc échographie transfrontanellaire ou scanner. Et puis, peut avoir des complications oculaires. Alors, ces complications oculaires de la toxoplasmose congénitale, hein, on peut avoir des signes dès la naissance, donc à type de microphtalmie, strabisme, nystagmus, le chorioretinite. Donc là, vous avez une image du fond de l'œil. Et on voit des lésions donc dues à la multiplication du parasite au niveau donc, de la rétine. Et plus donc, ces lésions vont être proches du nerf optique, plus il y aura un risque sur l'acuité visuelle. Alors, ces lésions de toxoplasmose oculaire, elles peuvent être tardives. Donc, on peut les voir à l'adolescence ou à l'âge adulte. Il va s'agir donc de chorioretinite, visualisée donc mise en évidence au fond d'œil. Et donc, ça peut aller jusqu'à la perte de l'acuité visuelle. Donc ici, pour résumer, donc le risque de toxoplasmose congénitale en fonction de la date de gestation lors de la séroconversion. Alors, plus on avance dans la grossesse, plus il y a un risque de transmission. Parce que plus on avance dans la grossesse, plus le placenta devient perméable et plus le parasite peut passer. Mais en moyenne, lors de la grossesse, le risque de transmission du toxoplasme est de 30%. Mais vous voyez qu'à la fin de la grossesse, il est de 80%. Par contre, le risque donc d'infection sévère, donc de lésion, il est inversement proportionnel. Pourquoi ? Parce que le fœtus ou l'embryon, il est immunodéprimé. Et plus donc il va se développer, plus il va développer son immunité, plus il pourra se défendre contre le parasite. Donc le risque moyen d'infection sévère, il est de 7%. Donc voilà, au premier trimestre, on considère qu'il y a environ 10% de risque donc de transmission. Par contre, la gravité de la maladie, elle est très élevée. Au deuxième trimestre, 30% de risque de transmission, gravité moyenne. Et au troisième trimestre, 60% de risque de transmission et gravité faible. Souvent, les enfants ils naissent asymptomatiques. Alors, en France, on sait en 2010 que la séroprévalence chez les femmes enceintes était de 37%. Et on avait une incidence donc des séroconversions de 0,3%. Alors, quand on regarde un petit peu l'évolution de la séroprévalence en France, on voit qu'il y a une diminution donc de la séroprévalence. Dans les années 1960, on était à 84% de séroprévalence et maintenant, on est à 38-37%. Alors, pourquoi cette diminution de la séroprévalence ? C'est un peu lié aux habitudes alimentaires. On consomme de plus en plus de salades en sachet, donc ils sont bien lavés, moins de risques de transmission. Les chats, dans les villes,
ils mangent plus de rongeurs ou d'oiseaux. Ils mangent des croquettes, des boîtes. Donc, il y a de moins en moins de risques de transmission, moins en moins de parasites qui circulent. Alors, il existe un centre national de référence à la toxoplasmose qui est chargé donc, de rapporter tous les cas de toxoplasmose congénitale. Et en fait, on sait qu'en 2014, par exemple, il y avait 216 cas de toxoplasmose congénitale. Et lors du diagnostic, il y avait une absence de signes cliniques dans la grande majorité des cas, donc plus de 90% des cas. Il y a eu tout de même 3% d'enfants morts-nés ou d'avortement ou d'interruption thérapeutique de grossesse qui était liée donc, à la toxoplasmose congénitale. Et il y avait 6% d'enfants qui sont nés avec des signes cliniques. Quand on regarde ces signes cliniques, alors il s'agit principalement de calcification cérébrale. Alors selon le type de calcification et le nombre de calcifications, il peut y avoir un retentissement sur le développement psychomoteur de l'enfant. Il y avait tout de même des hydrocéphalies, donc ça c'est pas bon signe. Et puis des chorioretinites, hein, 43%. Donc, je vous disais, selon la localisation des lésions au niveau donc, de la rétine, on peut avoir un retentissement sur l'acuité visuelle. Alors, donc, le programme de prévention de la toxoplasmose congénitale et de la toxoplasmose de l'immunodéprimé en France. La France est l'un des seuls pays où il existe cette prise en charge pour prévenir la toxoplasmose, hein, dans les circonstances où il peut y avoir des complications. Alors, en 1978, il y avait le dépistage prénuptial, donc, qui a été supprimé en 2007 parce qu'on ne se marie plus et que cette action n'était plus très intéressante et plus efficace du tout. Donc maintenant, ce qui est recommandé, c'est qu'aux femmes en âge de procréer, c'est de faire une sérologie de la toxoplasmose, voilà, soit par le gynécologue ou par le médecin généraliste. Donc, mesdemoiselles, pensez à votre sérologie de la toxoplasmose pour savoir si vous êtes à risque ou pas avant de tomber enceinte. Quand il y a un risque, on va donner une information sur la prévention. Donc, ça, c'est depuis 1983. Il existe le dépistage prénatal, donc qui est fait au début de la grossesse, donc au moment de la déclaration de grossesse, ou avant, si possible, donc depuis 1985. Chez les femmes à risque, femmes enceintes à risque, il va y avoir une surveillance sérologique mensuelle. Et puis, donc, on va faire un dépistage sérologique à l'occasion donc, de prélèvements d'organes, de tissus ou de cellules humaines, voilà. Donc, dans le cas de transplantation ou de greffe. Alors, la prophylaxie de la toxoplasmose congénitale ou de la toxoplasmose de l'immunodéprimé, hein, ça va être concernant le chat. Éviter les contacts quand on est à risque. Si on ne peut pas éviter les contacts parce que bah, on est toute seule et qu'on est enceinte, il faut nettoyer la litière tous les jours en portant des gants. Au niveau de l'hygiène, bien se laver les mains avant les repas. Là, bien laver les crudités. Laver les ustensiles qu'on a utilisés pour cuisiner. La viande, bien cuire la viande. Éviter tartare ou brochette. Et quand on a vraiment envie de manger de la viande peu cuite, il faut la congeler. Au moins 3 jours dans un congélateur domestique. Moins 18 degrés. Il faut éviter les huîtres, les moules et autres mollusques crus. Donc, en fait, les huîtres, moules et mollusques crus, c'est des coquillages qui sont filtreurs. Donc, on a retrouvé des oocystes de toxoplasme dans ces coquillages. Donc, attention. Également, on a retrouvé du parasite dans le lait cru de chèvre.
Alors, il faut faire un suivi sérologique des séronégatifs. Donc ça, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Alors, la deuxième partie du cours. Donc, ça va être les méthodes diagnostiques. Avec le diagnostic indirect, donc c'est la sérologie. Pour savoir le risque. Et puis, la détection du parasite pour diagnostiquer une infection évolutive. Alors, ce qui concerne la sérologie, on va doser les IgG et les IgM dans le cas de la sérologie de la toxoplasmose. Quand on est IgG négatif, on est non immunisé. Quand on est IgG positif, on est immunisé, donc on a rencontré le parasite. On va avoir une infection récente quand on a une séroconversion, c'est-à-dire qu'on passe de IgG négatif à IgG positif, ou qu'on a une augmentation significative du taux des IgG et présence d'IgM. On est devant une infection qui date de moins de 2 mois, donc ça découle de la cinétique des anticorps IgG que vous avez vu tout à l'heure. On a une infection qui date de plus de 2 mois quand on a des IgG positifs avec des taux stables et des IgM. Et puis une infection ancienne quand on a des IgG à taux stables et des IgM négatifs. Alors l'avidité des IgG, on vous en a parlé un petit peu pour la virologie. Vous avez les cours de virologie CMV, RBA, non. Alors l'avidité des IgG, c'est une technique qui permet de savoir si les IgG ils sont là depuis longtemps ou pas dans le sérum. Parce qu'on sait qu'au cours de la réponse immunitaire, les IgG ils vont reconnaître de plus en plus l'antigène. Donc le principe, c'est de mettre les IgG avec l'antigène et de faire agir un agent dissociant, qui est souvent l'urée. Et plus il va y avoir dissociation de la réaction antigène-anticorps, plus on va dire que les IgG sont de faible avidité et plus ils sont récents, donc plus on est devant une infection récente, et plus cette liaison va être forte, hein, plus on va dire que les IgG ils sont avides pour l'antigène, et plus ils sont là depuis longtemps, donc plus l'infection elle est ancienne. Donc ce qu'on va mesurer tout simplement, c'est l'indice d'avidité. Donc, la densité optique dans la technique ELISA avec cet agent dissociant et sans l'agent dissociant. Alors, il n'y a que en présence d'un indice d'avidité élevé qu'on va pouvoir exclure une infection récente. Alors, selon les réactifs, on va pouvoir dire que l'infection est date de plus de 4 mois ou de plus de 5 mois. Alors, on utilise également donc, des profils comparés en Western blot ou immunoblot, qui permet donc de comparer deux milieux. Ça va être par exemple le sérum de la mère, le sérum du nouveau-né. Donc dans un Western blot, vous avez les antigènes donc du parasite qui sont présents sur une membrane. On rajoute le sérum du patient, là de la mère et de l'enfant. On regarde les différents isotypes, soit IgG, soit IgM, qui sont présents. Et quand on a des bandes supplémentaires, donc c'est-à-dire reconnaissance donc, de la présence d'anticorps anti-toxoplasme supplémentaires, ça veut dire que le nouveau-né, là, il a fait sa propre synthèse anticorps. Ce ne sont pas les anticorps de la mère qui ont été transmis pour ce qui est des IgG. Donc ça permet de faire le diagnostic de toxoplasmose congénitale à la naissance, par exemple. Alors, la mise en évidence du parasite,
Donc là, c'est la forme tachyzoïde, celle qui se multiplie, qui envahit, qui détruit les tissus. On peut la mettre en évidence à l'examen direct. Donc on va faire une coloration de différents liquides biologiques, après cytocentrifugation ou désapposition donc, de biopsie, qu'on colore au GIMSA. On regarde l'objectif 100, donc ça veut dire que c'est grossi 1000 fois. Et là, on va voir donc les formes intracellulaires en forme de croissant. Alors ici, elles sont un peu extracellulaires parce que les cellules éclatent quand on fait les appositions ou les cytocentrifugations. Donc la sensibilité, elle est faible pour ce qui est de l'examen direct. Donc il est recommandé de faire la PCR dans ces liquides biologiques et ces tissus. Et là, selon donc, le type de prélèvement, on a une sensibilité qui va de 50 à 90%. Donc, on va voir le diagnostic et la conduite à tenir avec la prise en charge thérapeutique. Pour ce qui est de la toxoplasmose congénitale et de la toxoplasmose de l'immunodéprimé. Donc, la toxoplasmose congénitale, ça va être le suivi sérologique et la prévention primaire qui vont être importantes. Donc, il est bien de connaître son statut sérologique avant la grossesse. Si on est immunisé, pas de risque d'infection pour l'enfant. Si on n'est pas immunisé, il faudra faire une nouvelle sérologie en début de grossesse. Alors, en début de grossesse, selon les résultats sérologiques que l'on va obtenir, si on est immunisé, pas de risque pour l'enfant également. Donc on arrête les contrôles. Si on n'est pas immunisé, donc il y a un risque de contamination et un risque de transmission à l'enfant. Donc là, on propose des contrôles sérologiques mensuels. Et on donne les recommandations hygiéno-diététiques pour éviter de se contaminer. Alors, il faut les donner de façon écrite, parce que les patientes retiennent mieux ces recommandations quand elles sont données de façon écrite. Si on est devant un statut sérologique où il y a un doute sur une infection, il va falloir dater l'infection pour savoir s'il y a un risque pour le fœtus ou pas. Alors, quand les laboratoires ne savent pas très bien dater, il faut qu'ils envoient à des centres experts. Donc ça, c'est des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et donc, l'obstétricien ou le gynécologue ou le médecin est tout à fait le droit de demander au laboratoire d'envoyer les sérums dans un laboratoire expert. Quand on a une infection pendant la grossesse qui est confirmée, la patiente doit être prise en charge dans un centre expert qui a l'habitude de la toxoplasmose congénitale. Là, on va éviter que l'enfant soit contaminé en donnant de la spiramycine jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, la spiramycine est une molécule qui est parasitostatique, donc qui inhibe la prolifération du parasite. Et qui va se concentrer autour du placenta pour diminuer le passage transplacentaire. On va proposer à la femme ou aux parents des échographies fœtales morphologiques mensuelles pour voir d'éventuelles lésions dues au parasite s'il doit passer. On propose une amniosynthèse, donc qui est un prélèvement de liquide amniotique. Donc on fait à partir de 18 semaines d'aménorrhée et 4 semaines après la date de l'infection présumée. Donc on a 18 semaines d'aménorrhée parce qu'avant il n'y a pas suffisamment de liquide amniotique. Et 4 semaines après la date de l'infection pour laisser le temps aux parasites s'ils circulent
hein, de finir sa circulation. On va faire une PCR sur ce liquide amniotique à la recherche de l'ADN du parasite. Donc là, la sensibilité elle est bonne de 85% et spécificité de 100%. Si on a un diagnostic anténatal qui est positif, c'est-à-dire présence du parasite dans le liquide amniotique, ça signe l'infection du fœtus. On va informer les parents sur le risque fœtal, donc selon la date de l'infection maternelle. On peut proposer l'interruption thérapeutique de grossesse s'il y a des lésions cérébrales, par exemple, importantes, qui vont donc être préjudiciables pour le développement psychomoteur de l'enfant. Alors, s'il y a poursuite de la grossesse, parce qu'il n'y a pas de lésion à l'échographie ou que les parents refusent l'interruption thérapeutique de grossesse, on va changer le traitement. On va donner un traitement qui est parasiticide et qui traverse la barrière placentaire. Donc on va traiter le fœtus par l'association de sulfadiazine pyrimétamine. Alors, comme ce traitement a des effets secondaires, il faut associer l'acide folinique qui va diminuer le risque d'effets secondaires. Donc, effets secondaires hématologiques et effets secondaires rénaux. On va également proposer des échographies bimensuelles pour mettre en évidence de façon plus rapprochée d'éventuelles lésions qui apparaîtraient. Alors, vous voyez que le diagnostic anténatal, il n'est pas sensible à 100%. Donc, on va proposer un diagnostic néonatal. Si jamais il était négatif ou si les parents avaient refusé le diagnostic anténatal, ça arrive, hein, les parents qui ne veulent pas d'amniosynthèse. Donc là, on va faire un examen neurologique avec des échographies transfrontalières et des fonds d'œil. On va faire une sérologie sur le sang de cordon ou du bébé. On va rechercher donc des IgG, des IgM qui seraient néosynthétisés par le nouveau-né. Et là, en faisant les techniques de Western blot ou immunoblot qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut rechercher la présence du parasite dans le liquide amniotique néonatal. Donc, il va être prélevé au moment de la rupture de la poche des os. Et le placenta. Si le diagnostic anténatal, néonatal est négatif, on ne s'arrête pas là. On va proposer un diagnostic postnatal où on va faire des sérologies à l'enfant à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, on propose la recherche des IgG et des IgM néosynthétisés avec la technique d'immunoblot. Et puis, tous les 2-3 mois, et jusqu'à disparition des IgG maternelles transmises, on va faire un dosage d'IgG et d'IgM. Alors, ici, vous avez l'évolution des IgG transmise chez le nouveau-né qui n'est pas contaminé. Donc, il a un taux donc d'IgG qui correspond un petit peu au taux d'IgG que sa mère lui a transmis jusqu'à l'accouchement. Et là, donc, au cours des mois, il va y avoir une diminution des IgG et une négativation puisque les IgG maternelles transmises sont dégradées au cours des mois. Et à 1 an, normalement, l'enfant doit être négatif s'il est indemne de toxoplasmose congénitale. Un enfant qui est contaminé, il va faire sa propre synthèse d'IgG, où il les aura déjà synthétisés, ce qui fait qu'on va avoir d'abord une diminution, donc qui correspond à la dégradation des IgG maternelles transmises, puis une réascension ou une non-diminution
des taux d'IgG chez cet enfant. Et là, l'enfant est infecté. Donc un enfant qui a des taux d'IgG à 1 an modérés, c'est un enfant qui est contaminé. Alors, on fait le diagnostic en général dans les 2-3 mois de vie. Hein. Donc, il y a 95% d'enfants qui sont diagnostiqués à ce moment-là avec toutes les techniques utilisées. Mais il y a toujours 5% d'enfants. Ce n'est que le diagnostic postnatal qui permet de les diagnostiquer. D'où son importance. Alors, quand le diagnostic anténatal, néonatal ou postnatal est positif, on va traiter le fœtus ou l'enfant. Alors, pendant 1 an, à partir du moment où l'enfant est né, par donc, l'association sulfadiazine-pyrimétamine, on associe l'acide folinique. Alors, il y a une étude qui est en cours en France, hein, qui s'appelle l'étude Toscane, qui compare un traitement à 1 an sur un traitement de 3 mois chez des enfants qui sont asymptomatiques. Et a priori, donc, il est possible que dans quelques années, chez ces enfants-là, il n'y ait qu'un traitement de 3 mois. On va faire des fonds d'œil. Donc, une fois par an. Alors, jusqu'à l'âge de 7-10 ans, donc là j'ai mis 10 ans, mais ça peut être un peu plus tard. Hein. En fait, jusqu'à ce que l'enfant puisse dire tout seul qu'il a des troubles visuels. Parce qu'après, donc, ce sera le suivi ophtalmologique qui sera important. Et dès qu'il y aura donc, des troubles visuels, il faudra aller voir l'ophtalmologue pour savoir si il s'agit de lésions de chorurétinite et si, selon le type de lésion, leur localisation au niveau donc du fond d'œil par rapport au nerf optique, s'il faut traiter ou pas. Et ça jusqu'à l'âge adulte. Alors, pour finir, donc, la toxoplasmose de l'immunodéprimé. Donc, le statut sérologique et le suivi sérologique sont primordiaux hein, pour savoir s'il y a un risque. Donc, chez le patient HIV positif, il y a un risque de réactivation s'il est séropositif pour la toxoplasmose et qu'il a des CD4 inférieurs à 200 par millimètre cube. Dans le cas de transplantation d'organes solides, donc il y a un double risque. C'est le risque donc de séroconversion ou de primo-infection. Si le donneur est séropositif pour la toxoplasmose, donc l'organe transplanté apporte des kystes au receveur, et un risque de réactivation si le receveur est séropositif pour la toxoplasmose, parce que du fait des traitements immunosuppresseurs, il va faire une remultiplication donc des parasites. Et donc, dans le cas de greffe de moelle, le risque existe du fait donc de la présence de kystes dans les tissus du receveur. Où là, donc, c'est le risque de réactivation du fait des traitements immunosuppresseurs qui sont très importants. Donc, chez ces sujets à risque, on en parlait tout à l'heure, on donne une chimioprophylaxie qui consiste à donner donc du triméthoprim plus sulfaméthoxazole, donc c'est le cotrimoxazole. Hein. Alors, les transplanteurs chez les patients d'hématologie n'aiment pas trop le cotrimoxazole parce qu'il a des effets donc, secondaires hématologiques. Donc, ils préfèrent donner une autre molécule qui est la tovaquone. Alors, le diagnostic donc, d'une toxoplasmose évolutive chez un patient immunodéprimé, ça va être un diagnostic biologique à l'examen direct ou par PCR positive ou une imagerie cérébrale positive. Donc, un scanner et IRM avec des lésions évocatrices,
Même si la PCR dans le LCR est négative, on traite le patient. Parce que la sensibilité n'est pas très bonne. Dans les méningoencéphalites toxoplasmiques, on n'a pas forcément... On peut avoir une encéphalite toxoplasmique sans parasite dans le LCR. Donc là, on va traiter par sulfadiazine plus pyrimétamine associée à l'acide folinique. Alors, selon les protocoles, on peut donner donc de la clindamycine plus pyrimétamine plus acide folinique, de l'azithromycine plus pyrimétamine plus acide folinique, et également le cotrimoxazole à forte dose. Ça dépend des centres. Voilà, donc le récapitulatif sur le traitement de la toxoplasmose selon les circonstances. Et donc les points clés de la toxoplasmose, donc c'est savoir évoquer la toxoplasmose devant un syndrome mononucléosique. Proposer le sérodiagnostic, donc obligatoire en début de grossesse, puis tous les mois en cas de séronégativité. Savoir donner les mesures prophylactiques chez la femme enceinte et puis chez les immunodéprimés séronégatifs. En cas de suspicion de séroconversion chez une femme enceinte, il faut savoir traiter par spiramycine et puis adresser la patiente dans un centre expert pour la prise en charge spécialisée. En cas de suspicion d'infection congénitale chez l'enfant, il faut savoir organiser, donc ça c'est les pédiatres, le suivi biologique et ophtalmologique pendant la première année de vie, et puis poursuivre le suivi ophtalmologique si l'infection a été confirmée. Et il faut savoir évoquer la toxoplasmose chez un patient immunodéprimé avec des céphalées persistantes. Alors, si besoin, il existe donc le CNR de la toxoplasmose avec un site internet. Donc, ce CNR est là pour vous conseiller sur la prise en charge, le diagnostic. Voilà. J'ai fini. Si vous avez des questions...